Je me demande que cherche né Mwanatsemi. Mwanatsemi na tango ya Joseph Kabila awa oyaki na prison évasion selemi okimi toyebi ko vanda ki pande ko lenga koi toyebi yango parce que nous avons toutes les informations sûres et vérifiables. Aujourd'hui d'abord on est paralysé sur circulation qu'on a dans ma campagne est-ce que nini la police a continué qui désordre et na yo na Congo central la population n'est pas dans la quiétude. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce que Mwanatsemi ne veut pas laisser la population congolaise, précisément à Congo central, vivre dans la quiétude? Pourquoi? Et en plus, ce qui est grave, badepte Mwanatsemi babimi na balabala, baza ko attaquer, ba bien ya bandeko na biso ya Kasai, na bandeko biso ya Lubumbashi. C'est du tribalisme, de la pure tribalisme. Nous allons vous laisser tranquille. Chef de l'État, Kangane Mwanatsemi. Si vous avez continué à boire, l'autorité n'a la bafouer parce que j'ai un Congo central. On se pose la question, est-ce que... Qui étudie le peuple congolais, Boïti Mwanatsemi, pour ça, il y a un poste ministériel. Mwanatsemi, pour ça, il y a un soit local là. Au rataki ministère, au salaki présence en route, aux autres de la maman mandataire, au yoba voté, yango toloba ki boy, tout dépend. Mutualité, misunga, yomoko misunga, tokate moutilinga la tezake, yomoko misunga, nga déjà, na sa de oué, ne la jambe, na koke na la tirki, souhait, nga na souhait, ma mère, na sa le fond, na l'kama la dina be, la kapon la si na sa de oué, la pétorière, grâce Mandela. Voilà, Misunga et Grâce Mandela, la pétrolière. Quoi. Donc, Maïla Sina Sadere et Kouba Missela Matou, Baza Pekuna, on a aussi un bouquin de Kouna parce que Maïla Sina Sadere, Naba Missela Maï, Misunga et Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga, Misunga et Zali Mituel, la biseau à santé. Maïla Sina Sadere, tout ça déjà dans la Katia Misunga. Misunga et Opé Sao Soin. En cas de problème dans Mboka, si on peut s'engager dans Malibanda et dans Missio Kaka. Misunga, il y a Maman Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé, Eza? Misunga? Ah! Hé! Au côté de l'ingalinga, la bonne santé à moi! Mon fils! Pour ma santé! Misunga? Ah! Au côté de l'ingalinga, là! Bandeko! Misunga ezali kokate la mutulinga la te. Ezali mutuel de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akokika ka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo, okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to en kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na Corbia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki ko adhere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Tellement nombreux, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, à nous suivre de partout dans le monde avec une attention tellement soutenue et beaucoup d'intérêt. Zali Bongo, moi, Namboka, j'espère la bunda Molobeli Nabino, Molobeli à peuple, Sindili Amboka. C'est un grand plaisir, encore une fois de plus, pour l'ensemble de l'équipe technique de Congo France qui accepte de m'accompagner durant ces minutes pour que nous partagions Nabino aux Zali Bongo, actualité politique de la République démocratique du Congo. Voyez bien ou très bien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu hier na télé Sikanini à Sengisaki Ndeko ya chambre basse na chambre haute du Parlement Alexis Thambo Mwamba na Ndeko Janine Mabunda bazaki bongo convoqué d'urgence et pas mon konzamboka pour que ba mekampe quoi planir
ba vu na bango ba point de vue na bango en rapport avec état d'urgence sanitaire au Mokonza Mboka. Félix Tshisekedi Tshilombo a décrété qui au regard il y a situation sanitaire na RDC. Vous avez sans ignorer que pandémie il y a COVID-19, vous allez bongo secouer le monde entier et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée bien entendu. Nous avons plus de 200 cas à wana RDC 5 provinces. Vous allez bongo toucher et puis Kinshasa et Sikanini population eza ebélé et Sikanini. Donc on a plus de 200 cas confirmés positifs il y a COVID-19. Mais apparemment Baimboka baza toujours ko douter na authenticité wana ya maladie wana et on se pose la question est-ce que problème ezate parce que déjà d'un départ ba doute ezalaki entre ba autorité na ba administré na bango côté ba couper sa communication na bango on a beaucoup de doutes et aujourd'hui il faut le dire dans la société kinoise le gens n'arrive pas à croire que la maladie existe yango na ko linga bonana nos vidéos oyo mokonza mboka ayambaki Alexis Tshamomamba na Janine Mabunda kuna na Ntsele babeti lisolo par rapport ya état d'urgence de fait de fait oyo Tshamomamba lobaki il faut ba transformer en comme état d'urgence de droit, c'est-à-dire que Mokonza Mboka zwaki mesure wana d'après Tshamomamba inconstitutionnellement. Qu'est-ce qui va se passer? La cour constitutionnelle juste après Kolanda Guéguerre wana entre Kotoyo Jean-Marc Kabunda Kabunde, Kotoyo Alexis Tshamomamba, ndenge bango baneko ko ndongwana pona o etali bongo état d'urgence wana et puis montant qu'il fallait décaisser pour que makamone za bongo effectif congrès extraordinaire za bongo convoqué cour constitutionnelle et kataki makambo balobi décrétion oh pardon le fait que Mokonza Mboka a décrété qui état d'urgence sur les acquis conforme na constitution de la République démocratique du Congo makeli les sili est-ce que Alexis Tshamomamba Janine Mabunda batike na soni ou encore basimbi touche na carré parce que Janine na bayimbo ke leba ko leba que intention za laki bongo ba ça la mention incidentielle au cours ya congrès ba ndeko benga avec beaucoup d'insistance pour que pendant congrès wana ba accusé Mokonza Mboka de haute trahison et puis ba évincé na fonction na yewana ya chef de l'État. Est-ce que c'était parce que Mokonza Mboka lakaki que a ko démettre faire enfin, a ko destituer Assemblée nationale de bon babaki le rôle a destitué tout sanitaire récupéré biso bien tout on a biso to ko isaï. Heureusement avis ya peuple. Et c'est là qu'ils m'ont entendu par la cour constitutionnelle, parce qu'on se disait bien entendu, lorsque je parle du peuple, si je vois les gens qui se posaient autant de questions pour dire comment est-ce que va organiser congrès alors que la République démocratique du Congo a besoin d'argent, le pays n'a pas des infrastructures sanitaires adéquates pour que tout lutte efficacement contre la pandémie et la COVID-19. Tout le monde a dit qu'il y a un reportage à la présidence et juste après, nous revenons sur ce plateau pour nous rappeler Sabino Nengamakamboleganaki pendant entretien on est là qui bongo très mouvementé tout l'en est plus juste après nous revenons sur ce plateau tout de suite là. À la cité présidentielle de la CELE, il était 14h40. Ce mardi 14 avril 2020, les deux présidents de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda et du Sénat, Alexis Tshamomamba, sont arrivés tour à tour et ils ont été accueillis et installés par le protocole du chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les responsables de deux chambres du Parlement pour un entretien d'1h40 dans le cadre de ces échanges avec les chefs des institutions du pays. L'accompagnement par les deux chambres du Parlement des mesures prises par le président de la République face au coronavirus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant l'état d'urgence décrété par le chef de l'État conforme à la Constitution sont autant de points évoqués au cours de cette entrevue, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est à l'initiative du chef de l'État, comme institution, que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour parler des activités parlementaires, pour qu'ils soient édifiés en direct et non pas par différentes voies non autorisées, qu'ils soient édifiés en direct sur les activités parlementaires. Et bien sûr, la question de l'arrêt de la Cour a été évoquée. Dans ce cadre-là aussi, je crois que si vous me posez la question, il est important de préciser qu'au moment où nous nous rencontrons avec le chef de l'État, le pays est en train de lutter contre le Covid.
luttant contre le Covid, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État et toutes les institutions se réunissent, travaillent pour accompagner ces mesures. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons évoqué la possibilité que nos deux institutions puissent se réunir et se rencontrer pour accompagner ces mesures. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui s'est dit ou fait. Je crois qu'il faut regarder de l'avant parce que à un moment où la population autour du chef de l'État, autour du gouvernement et des institutions, des élus de la République cherchent les meilleures mesures pour accompagner et protéger nos populations, je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Il me semble que c'est de voir ensemble comment nous pouvons avancer. Alors je crois qu'il faut faire confiance aux Congolais en général, aux institutions de la République en particulier. Dans les jours prochains, vous allez voir que nous allons continuer ce dialogue dans le cadre de la courtoisie institutionnelle et de le sens des responsabilités qui s'imposent à tous. Vous avez donc suivi Maloba, il y a présidente, il y a Assemblée nationale de Kojaline Mabunda Oalobi. Tozon a sous la considération de l'article 85, 119, et le Bibo, et Mokonzambo, quand on a prérogative, il a reconvoqué, décrété, pardon, état d'urgence en fonction, congrès, tout ça. À l'Obi, la priorité aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut organiser les moyens pour que de lutter contre Covid-19. Bayimbo Kabolanda, comment s'est passé entretien, réunion et lobby au Sengisaki Bongo, Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Alexis Thambo-Mamba ya Sénat, Jeanine Mabunda au Yazali Bongo à l'Assemblée nationale, François Béa au Yazali Bongo, conseil spécial à chef de l'État en charge de la sécurité, mais aussi Eberand Kolongolo au Yazali Bongo, directeur et cabinet adjoint ya chef de l'État. Mais avant cela, on ne peut pas poursuivre sans pour autant, allais-je dire, présenter nos condoléances à la famille présidentielle, à la chef de l'État, mais aussi la famille biologique, il y a Gérard Moulumba Zali Bongo, chef de la maison civile, Ozali Bongo, Leki, il y a Étienne Tshisekedi wa Moulumba de Rose Mémoire, Ozali Bongo, Noko, il y a président de la République, Oyo, à perdre Vinaye. Lélo, 4 heures, mais aussi présenter nos sincères condoléances à la famille Yandeko, directeur général de la DGDA, Ozali, directeur, direction générale des douanes et assises, OEP à perdre Vinaye. Namoko à Lélo, mais nous ne pouvons pas passer sous silence rumeur qui a circulé d'après laquelle général Elvis Ozali Bongo, la prison centrale à Makala et Bakoufi. Nous démentons cette information pour dire quoi? Il est bien important, général Elvis a confité. Comment s'est passé l'entretien entre le chef de l'État, na ba représentant deux chambres du Parlement, mais aussi directeur cabinet adjoint Naye, na François Bézali Bongo, chargé de communication, chargé conseil spécial en matière de sécurité, na Mokonzamboka. Il faut le dire que Mokonzamboka, à l'année avec beaucoup d'attention, sortie médiatique qui est Alexis Thambo-Mamba. Boyebi, Thambo-Mamba, l'oubaki que Mokonzamboka a violé la constitution, parce que l'état d'urgence soit décrété, qu'il y en a qui l'état d'urgence le fait, il fallait qu'il soit convoqué congrès extraordinaire pour que bah, définir la modalité, pour que bah, muter en état d'urgence de droit, pour que, effectivement, état d'urgence est effectif et permettre que de lutter véritablement contre Covid-19. Bolanda qui bénit Jean-Marc Kabunda, Kabunda Bima qui pour Norloba. Non, s'il faut convoquer état d'urgence, c'est bien. Pardon, le congrès, c'est mieux. Mais les moyens qui seront débloqués ou encore décaissés pour que congrès on ait à la tenue, c'est près de 7 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Même si c'est 500 000 dollars. Dans le bac qui ont récemment, le pays n'a pas d'argent. Le pays a besoin nécessairement de moyens. En République démocratique du Congo, imaginez-vous, on a besoin, je ne dis pas que c'est mauvais que bah ouvrir caisse moro et solidarité pour que tu lutte contre Covid-19, mais Sony et Bissou Yakinini, bah le but de lutter contre le coronavirus, le gouvernement central sort 1 800 000 dollars pour lutter contre Covid-19. Mais pendant ce moment, pendant que tu as lutté contre Covid-19, qu'est-ce que va nous apprendre? Qu'il faut bah décrire, bah convoquer le congrès moro boué pour n'a pas. Mais excusez-moi. Je
chef de l'État tant continue à faire ces réunions là tant hier mon ben il n'était pas d'abord du tout satisfait parce que première remarque des Alaki Koïbi Sabayimboka qu'il est l'autorité suprême de la République démocratique du Congo et dans son devoir en tant que garant et à bon fonctionnement de l'institution, il ne peut pas engager les pays sur la voie ou encore dans la voie il y a guerre ou encore il y a crise politique parce que Oyo a rappelé en haut Nandekota Mumba intention naïe bah propos naïe c'est pour donner l'impression que la RDC est en train de traverser une grave crise alors que cash na FCC basé dans la coalition. Mokonzambok a rappelé pendant exercer sa pouvoir, il n'est pas digne, il n'est pas propre, c'est totalement malsain et c'est vraiment incompréhensible. Yakolanda, comment est-ce que Batou a dans la coalition, Batou va exercer le pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le chef de l'État d'ailleurs l'a rappelé, attendez, nous exerçons le pouvoir au même moment. Nous sommes ensemble, nous sommes dans une coalition, nous sommes majoritaires dans l'Assemblée nationale. Est-ce que aujourd'hui, si moi je prends une décision, d'abord le soutien doit provenir de vous, parce que nous sommes de la majorité, vous devez accompagner cela. Cour constitutionnelle Mamboloba qui pourra confirmer que réellement état d'urgence sont les acquis pour décréter en conformité à la constitution. Mais entre binotamo moto. Tant que l'obara bongo. Est-ce que ce ne sont pas des moyens pour me pousser à dissoudre l'Assemblée nationale? Marabongo yango. Parce qu'il faut le dire, si certains ministres Bayaki Koïb Samokonzamo, que nous sommes en train de subir une certaine pression pour que tu exerces à bon décision ba tâche n'a bisauté, c'était pour faire miroiter au chef de l'État que nous sommes en coalition, mais la réalité est que il y a certaines personnes qui veulent coûte que vous puissiez échouer durant votre mandat. Donc je poserai la question bien sûr directement avant de quoi FCC. Quel intérêt Yaromona Lelo Mokonzamboka a échoué na mandat na EOE. Parce que vous êtes en coalition. Effectivement, vous aurez un discours en 2023. Sur quel fondement va se baser, bien entendu, votre discours? Yaroloba ke Mokonzamboka ngoto ya kito sanganaye a kokine rosala makamangote a zo respecté bakorte tamam to ibisa ya rosala ngote. C'est une grave honte. C'est horrible de constater que, alors que nous sommes dans une coalition, alors que nous sommes ensemble, il y a des gens qui font de leur mieux pour amener le pays dans l'abîme, pour entraîner la RDC dans le gouffre de la misère, pour aujourd'hui basculer l'État dans une grave crise politique. Dans cette allure, na intention derrière, parce que il faut le dire, tant que j'ai Kabunda Kabunda Bimi pour nous, non. Makambouana, il y a qu'organisé concret, Tozali, d'accord, t'es pour Nayango. Si peut-être il n'y avait pas une intention machiavélique derrière ce projet, qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que sage? Mana lobi lelo, 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 Tozan a intérêt, Tozan a intérêt. Il y a quoi accompagner Mokonzamboka parce que, d'abord, pour t'aider sur la vidéo avant de continuer, pour t'aider sur la vidéo où il y a Laurent Désiré Kabila Nako Lobela, Ndeko Alexis Mwamba. Na ba imusus oyo ba sali histoire politique ya mboka na biso. Ensuite d'abord cette vidéo et Laurent Désiré Kabila et puis juste après tous sur ces plateaux tout de suite là. Les tambo mwamba tambo mwamba les zaidi ngoma l'autre là l'onda boulou. Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre d'Affaires étrangères, que je croyais congolais, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé les valises, ils disent leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Il dit, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors.
parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Ah oui, un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre d'Affaires étrangères a disparu. J'ai dit que nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où ils complotaient pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Le pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça. Laurent Désiré Kabila, c'est pas de lui que nous parlons aujourd'hui. Mais au moins aujourd'hui, avec éclairé Monsieur Lissouso qui est Alexis Tshiamwemamba, le président du Sénat. Je poserai cette question. Est-ce que le FCC joue le jeu? Il y a qu'au cloué pays Oyo. Je ne pense pas. Voilà pourquoi Mokonzamboka a talisé Kibango na kouyebi sabango avec beaucoup de franchise que l'intérêt aujourd'hui c'est de ne pas permettre à ce que Mboke bascule en crise politique parce que ça ne va avantager personne et reprofiter d'un mouvement côté. Par contre, c'est les peuples, c'est le souverain primaire qui va souffrir. Je me demande encore une fois de plus, pendant que vous êtes en train de courir derrière ma projet Nabino Koto au Congrès, Koto Ebiro Simbate, Koto Justice et consorts, où est la part du peuple? Peuple, c'est là qui nous confesse, ça va. Majorité, Bozui Angwana, Mokonzamboka, Andi Bosa, la coalition de la FCC, alors que tu vomis Zagi, Bango, Sanzagi, Bango, Kende au diable. Mais quand même, à lui qui est en scène politique pour qu'il va travailler, se rattraper à temps, parce que 18 ans, non, faut bon, bah, le bâté qui est 18 ans, qui 18 ans, il y a gabégie financière. Avec 18 ans, il y a un détournement, un dernier public est grave. Le lot de l'Obama, a des convictions, Kamer et Lokaning, Kingi, Ozalibongo, directeur de cabinet et chef de l'État. Mais Nathan, il y a Kabila. Nathan, il y a sénateur Joseph. Vous savez combien de millions, de millions de dollars il y a qui détournés? Il y a un Obama qui a une fois, Mokonzamboka, laisser la justice faire son travail comme il se doit. Et d'après certaines nouvelles, dans quatre assemblées nationales, il y a beaucoup de gens qui doivent l'argent à l'État. Il y a beaucoup de gens qui vont détourner qui vont bon rebeller. Et tant que Mokonzamboka a décrété terre de gens soins, justice est pour ça la moussana n'angoba lobi. Ah, surtout ce qui ne croit qu'il y a des bons, nous risquons d'être devant les barreaux et puis te rendre compte. N'a pas bu n'a besoin de commenter sur les trésors publics. Bon ou yamboka, tambola la n'enga baventure. Bah ça lit tellement rebeller bah la bon ou yamboka. Beaucoup ça rendra un peuple congolais. Vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes dupes? Vous pensez que nous pouvons oublier facilement ce que vous avez commis sur le trésor public? Voilà pourquoi on a bloqué les peuples. Si nous avons un rôle, nous avons dénoncé l'abus d'abus. Vous êtes tellement nombreux. La carte FCC, on a battu au pays pour travailler pour que le monde évolue. Mais il y a un groupe qui a battu le monde qui non. Jusque-là, tellement nostalgique qu'on croit que si le monde est en train de pouvoir, tu continues au salaire des autres, tu continues au salaire. Tu as quoi pour que. Mokonzamboka a échoué dans le mandat Nayo. Est-ce que vous allez gagner? Je pose la question. Est-ce que vous allez réussir? Vous aurez quel bilan à défendre en 2023? Parce que Mokonzamboka a peut-être un argument européen, c'est que justice est vraiment comme ça, Moussala. Et nous avons une parenthèse pour annoncer que neveu, il y a un déconflit à Kamere. Le Kaningin et Kingwa, bon directeur à cabinet, jusqu'à preuve du contrat chef de l'État, c'est bon en cavale. Bakangi était. Daniel Changaloumé, Nkingi, Ozali Bongo, neveu, il y a directeur de cabinet Vita Kamere, Ozali Bongo en cavale. Jusque-là, il y a d'ailleurs un avis de recherche lancé par le procureur général après la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui sous la bêtise a lancé avis de recherche chez Moutin Soromona, de Kodane Massaro, Aya, qu'on s'est prononcé pour que Baïba. Comment est-ce que ça là? Parce qu'il devra aussi répondre à la justice et ça là. Bien sûr, il faut une communication pour que bah, éclairer certains dossiers. Je vous informe aussi par ricochet que l'avocat bah, Yann Dekovita Kamere, Sengaki, deuxième remise en liberté provisoire au parquet est rejeté en haut. Donc, Vita Kamere, instruction à Ezeko se poursuivre Bongo, n'a pas, n'a pas, il y a prison centrale à Makal et Sekendi Azali, à Sali Lelo,
mercredi, une semaine déjà, la représentation centrale à Makala. Nous demandons à la justice de faire son travail en toute neutralité. Et nous pensons que nous avons quoi une seule colobara que Vita Kamera Zali Malo, Maboko Pembe, et à la bonne effectif pour tout et bas. Qu'est-ce que nous pouvons voir par rapport à dénouement, il y a dossier OE. Nous étions aussi informés dans des ordres au Conseil Mabongo na ba Congo. Tolai tolamuki, on vient apprendre que Bandeko il y a Bundu ya Congo, Badepte il y a Nemonantimi basali des ordres ya makasi bien que basala ki bongo reçu par vice-gouverneur et Congo central. D'abord on va suivre d'abord cet élément. Suivons d'abord reportage en direction Congo central oyo ba tindaki biso pour relaxer biso ndenge nini vice-gouverneur ayambaki Badepte il y a Nemonantimi et puis juste après tu repasses moi l'ikanisi pour que totali sa bayimboka. Qu'est-ce que Mwanantsemi cherche réellement? Parce qu'il faut le dire, Mwanantsemi a profité de la liberté d'expression, de la liberté de se mouvoir. Mais Azan, la liberté de redéranger qui est du peuple congolais. Voilà pourquoi, de redénoncer d'abord, juste après vidéo, il y a reportage, il y a vice-gouverneur Ayambaki Bango, et puis de rezonner à la population de Mwanantsemi par rapport à l'adepte, il y a déranger la population Congo centrale. Ce n'est pas normal qu'un individu et ses adeptes battent trempés. Vu le roi Kimpese, vu le roi Boma, Nakati, il y a psychose morobo et parce que, bako sa la revendication na bango, oyo, bah yamba ki bango, mais jusque là, c'est comme si l'intention de bango n'avait pas déstabilisé Mboka. Juste après, on revient sur ce plateau, tout de suite là. Le matin de ce lundi 13 avril 2020, l'agglomération de Kisundilemba dans le territoire de Lukula, district du Bas-Fleuve, province du Congo central, s'est réveillée sous le rythme du tumulte des adeptes de Bundudia Congo qui sont sortis pour revendiquer certains droits qu'ils trouvent légitimes, créant ainsi une agitation de la population. Pendant que le gouverneur du Congo central se retrouve à Kisantou pour la même cause, le vice-gouverneur Justin Lumba Makoso a été dépêché dans cette cité de Lemba. Question de prendre langue avec ses fidèles de Nemonantsemi. Nous avons essayé de demander à nos frères de Bundu Congo de respecter aussi les mesures prises par les chefs de l'État. Donc je crois qu'à la prochaine occasion, ils ne pourront plus sortir en groupe parce qu'on interdit les réunions de plus de 20 personnes. Je crois qu'ils en ont tenu compte. Nous avons bien parlé et je suis très satisfait pour aller dire au gouverneur que les amis nous ont attendus et ils attendent aussi des réponses de leur part. Une politique de proximité qui paye cash, les adeptes de BDK n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de joie en voyant l'autorité numéro 2 de la province venir le rencontrer le même jour de leurs revendications. Nous avons un sentiment de joie parce que c'est parmi les meilleurs gestes d'une autorité. Quand il y a quelque chose, quelque part, il faut que l'autorité puisse hâter les pas et puis voir comment la situation se passe sur le terrain. Nous sommes très contents. On a parlé avec lui, il nous a compris, il nous a prodigué beaucoup de conseils. Le député provincial Pierron Vumbi, qui a accompagné le vice-gouverneur, pense que l'exécutif et l'Assemblée provinciale doivent cheminer ensemble, surtout quand il s'agit de la sécurité de la population. Et député provincial, nous avons l'obligation d'appuyer l'exécutif dans le cadre du rétablissement de l'ordre public. Et donc ici, il y a nos frères qui ont fait des revendications. Et donc nous étions bien obligés d'accompagner l'exécutif, les appuyer. Il s'y est de signaler que ce tumulte se produit dans quelques territoires de la province, alors que la population du Congo central garde encore le souvenir des tristes événements de février et mars 2008, parlant de ces mouvements mystico-religieux. Je me demande que cherche Nemonantsemi. Mwanatemi, Natango, ya Joseph Kabila Awa, Oyaki na prison, Evasion Selemi, Okimi, Toyebi Kovana Kipan de Kolengankoi, Toyebi Ango, parce que nous avons toutes les informations sûres et vérifiables. Aujourd'hui, d'abord, on a paralysé la circulation qu'on a dans ma campagne. Iskanini, la police a continué à désordre et va adepte Nayo. Na Congo central, la population n'est pas dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe réellement?
Pourquoi est-ce que Mwanantsemi ne veut pas laisser la population congolaise, précisément à Congo central, vivre dans la quiétude? Pourquoi? Et en plus, ce qui est grave, Badepte Mwanantsemi babimina balabala, baza ko attaquer ba bien ya bandeko na biso ya Kasai de bandeko biso Lubumbashi. C'est du tribalisme, de la pure tribalisme, du pur tribalisme. On n'a pas besoin de ça dans ces pays. Bokonzamboka lobaki azali président ya ba Congolais nyonso. Le chef de l'État lobaki azali d'ailleurs on a commencé en train de se cacher de l'État qui va présenter chez Bélé. Comment koluka kokotzamboka na biso na base de ba guerre moko bo séparatiste. On n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Ces pays pour décoller et c'est la paix. Pour que ces pays, pour que ils ont un acquis et c'est que Batnius va comprendre que sans la paix, il n'y a pas de développement. Mais c'est un Mwanantsemi qui vient, qui cherche par tous les moyens, il y a qu'au tchale bâton dans le roux, na mandé, mon konzamboka, pour que tout vivre désordre. Oui. Nous disons que nous sommes contre cela. Nous disons que nous condamnons avec la dernière énergie. Parce que derrière les Mwanantsemi, il faut d'abord que vous le voyez, bah, n'y a pas de soutenir. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la motivation, mine de rien comme ça, Mwanantsemi Malamouki, au gros, continue à badepte, tout le monde va des désordres. Vous pensez que nous allons vous laisser tranquille? Chef de l'État, Kangane Mwanantsemi. Si vous avez continué à boire, l'autorité n'a pas bafoué parce que j'ai un Congo central. On se pose la question, est-ce que il y a l'autorité de l'État ici? Akola la Kimia. Ah, on a ma campagne. Kimia Kola là. Comme si de rien n'était. Et c'est la population qui est en train de souffrir. Qui est derrière Né Mwanantsemi? Nous sommes en train de fouiner. Nous sommes en train de mener nos investigations. Et nous pensons que dans la lueur où nous sommes en train de progresser, la lumière sera faite sur ces dossiers. Mwanantsemi a quoi qu'on dérange qui étudie le peuple congolais boité. Mwanantsemi posa na yo ezali aux postes ministériels manko. Mwanantsemi posa na yo ezali soit lokola au rataki ministère au salaki présence yo ngote aux autres la maman mandataire oyo ba voté yango to lobaki boito dépolitiser administration publique. L'intention na bino ezali bo se faire bo se refaire son témoro financière pour que boutan na élection ko ya nini boko sel sa bo sa la face. Yana sin mukonza boka. D'ailleurs, il faut le dire, le chef de l'État est tellement catégorique par côté les mamans sont là. Ya ko ko tala ba ba ko sa la pression pour na poste moko ya mandataire et ba poste moko ministériel. Nous disons et confirmons que ekosimbati. Nous disons que aussi maté parce que l'avantage c'est quoi? Si aujourd'hui vous commencez à faire pression pour que vous ayez force ministérielle, pour que vous allez là-bas, DG, PCA, administration, entreprise publique, et aussi maté. C'est ça, nous avons compris votre intérêt. Nous avons compris votre intention. D'ailleurs, démarche, nous allons à Mwanantsemi. Il y a ça la pression dans mon Konzamboka pour que Bapé soit vraiment portionnement pour que vous vous retrouvez financièrement. Le temps, il y a des détournements de deniers publics est révolu. Le temps, il y a ko yiba kanyaka baimboka est allé révolu. La justice fera son travail en toute neutralité. La justice fouinera dans les passés pour savoir et mettre la main sur tous ceux qui commettent et qui ont commis des incidents graves sur le trésor public. Il y a un autre lobby qui est allé avec beaucoup d'attention. Le dossier où est allé Kibongo. Il y a chef de l'État, na ba président, il y a deux chambres de parlement, et Zali Bongo clos, bah comprendre yango. Dans mon moment, comprendre, je n'ai pas à comprendre que bah quoi que ce soit, qu'on est dans l'union, la terre, ça la bras des frères, na Mokonzamboka, bah ça la bras des vertes, na Mokonzamboka. Heureusement que la cour constitutionnelle, Zali Bongo bétonné. Bétonné pourquoi? Parce que pour commencer, le coup la cour constitutionnelle, vous allez acquise, il y a bateau Joseph Kabila à Tchakiwana, automatiquement, bah on peut pour la Nanzila, la Binoana, bah comprendre que rien n'est, point n'est besoin, il y a qu'au tremper pays dans la crise politique. Il y a on a signé la Binoignonso, au bout qu'on a l'habitude de partout dans le monde, Bossimba était que, mon Konzamboka à remettre bah on à l'ordre, Tamu Mamba, Janine Mabunda, bah Zongi na Kati ya Nakuna Bango ya Nkoba pour n'agolo bah que. Toi, sur la terre, au tient des ordres. Ceux qui possèdent des ordres, peuple congolais, à quoi dénoncer Bino P, à côté de Mélène Ponzilan, la Bino, ils allaient tellement la bandou bébélé que ceux qui possèdent l'aventure, le peuple congolais va se déguer derrière les chefs de l'État pour faire face à un projet machiavélique. Dans le bel et sous, on a quoi émission Oyo,
Makambutali Bongo, désordre dans la carte de la Congo centrale, où tu pourrais dénoncer. Projet yani mwananzim o ali ko tika population ki miete alongwe na kisasa na makampana ki kuna na Congo central kuna précisément na Kipese kuna na Bomape pour que a déranger quiétude des peuples congolais précisément ya ba habitants ya Congo central et puis bazali ko attaquer mingi bande ko na biso baluba na bato wa uti bongo Lubumbashi donc ba non originaire ya Congo central ba bazali na problème kuna dossier mokonzamboka awel sana lombango akitisa dispositif sécuritaire important pour que la population de la Bongo sécurisée. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention, madame, messieurs. Je pense que l'intérêt, c'est de nous faire parvenir la critique Nabino. Nous serons toujours là. Nous sommes toujours là et nous resterons là pour recevoir vos critiques en toute objectivité. Toujours disposé pour que vous puissiez venir à la Bongo. Restez branchés au programme via Congo France. Un grand merci à Cédric Mouna qui est Bongo derrière la caméra pour notre travail, le cordon le plus suspect, le plus dynamique. Merci à Lili Dipumba pour la confiance et le travail des titans abattus depuis très loin en France et ici à Kinshasa. Congo France équipe, la grande équipe, donc on les battait pour nous servir. J'espère la bunda, botikala. La bande qu'on a mis nos pékimia dans la botte Nabino. Bonne santé à tout le monde, Moussika Nabiso, coronavirus, à tantôt. Bye. Congo France, Congo France.com